Ma mission TV, le miroir du monde. Mais c'est toi qui es mal poli, monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour toi, manquer de sagesse, c'est l'impolitesse. Mais oui, c'est l'impolitesse. C'est bon. Pourquoi il a répondu coup sur coup la question? Quoi que, ma cambo a génocide à Boy Koloberango. Mais à Goloba, mais à Zoloba, plusieurs fois. Affaire et génocide. Rapport ma pingue ça va expert ya Nations Unies. Le président Tshisekedi ya kosilika ya misise zo bimisaye ezo bimawa. Non. Pourquoi Fatih avait dit que l'homme était un frère? Fatih un diplomate. Fatih a vu tout ça depuis longtemps. Que Ekoya Kagame tu es mon frère. Il n'a pas voulu répondre Kagame couste le coup comme l'autre cherchait. Fatih savait que catastrophe naturelle Oyo et ça comme à bientôt. Donc il faut Ma mission TV, le miroir du monde. La population de Koflavien, soldats du peuple, les Lobakobenga, sentinelle de la République, papa sentinelle, Azali ou Anapona Kopé Sabino, ma vraie information, Bozala toujours branché, chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à partir il y a 10h30. Sango ya Congo, Wapito Kopé Sabino, ma Kamode, Azali Kole Kanambok. Bote na bandeko bozu li bakoya kolanda biso na tongo ya lelo to lo bakaye tezala ke sengo tango papa sentinelle de la république gardien du temple oyo azala na bino elongo pona ko informer bino chaque jour à partir à 10h30 rediffusion na 22h30 bandeko balandi ba kolanda biso na YouTube mission télévision vous allez pe ebele vous allez kolanda biso libanda ya mboka pona ko iba basango ya Congo bandeko na ngai ezali sengo mingi po ete tokubeta masolo na oitali makambo ezali koleka na go ma boye bibino moko ete tozali na Nord Kivu après éruption volcanique tension na tongo le luzali susu ya komata boye bibino moko ete bande ko na biso kuna bakomi kuluka ndenge nini bakoki kuluka solution ya komibatela ba susu bazali na ngongo bazali koloba o bazali na mabongo pona kuluka moya kozwa masuwa po ba atteindre Goma bande ko balandi ezali sengo mingi po ete tokosola ba politique tokosola ba e bazana mabwanya pe na makanisi ya solo po ete na makanisi ya bango ba pesa ya solo solution makanisi oyo lelo mbula matadi pa kiko sale la pointe ya solo kimia ekota na Goma isengi bo ba ete mbula matadi azu ba disposition pointe ya solo bande ko na biso ba sinistre bazala malamu kasi isengi to solo la oyo salemi ezali bongo isengi bo ba pete ba materiel oyo ezalaki bloqué na entrepôt ya ofida pona ba DGDA ezali libéré kuna umelaki pona nini parce que bataki na misolo ya kufuta ba frais douanier te kasi kuna DGDA décidé pona ko libéré yango ba pesi bango de ba matériel na bango o ekangamaka na ba entrepôt ya DGDA tobaki ete tokobeta masolo bande ko balandi na banane tokobeta masolo na loboko na ngai ya mobali tozali na mwana mboka Patrick Chaba oyo azali moko il y a Gret Oizali Bongo groupe de réflexion il y a Belite Tshisekediste donc bazomi Bongo na Union Sacrée bazali ko soutenir vision il y a Mokonzi Mboka la PC Patrick Chabambote plus proche à IDPS maintenant de mingi ne konanga Flavien ndenge biso tantomo lelo na PC ba ko debater na Bongo Union Sombote mais nazo déclarer encore na réclamer au effort pour na les médiocres gouverneurs Ngobila Ngobila, tu vas partir. À la moitié de temps, à suspendre le bourgmestre, il y a Kinshasa, il y a Nselé, et quoi encore, il y a. Comme la Kinshasa, ouais, à suspendre. Mais les médiocres, c'est lui, Ngobila, ce n'est pas ce bourgmestre-là.
Et le monde a été obligé de taper ma solo en boucle, on a basé ta commune, mais ma canicine est pour la retour au Congo, surtout la situation catastrophique où est commis le bande de Konabiso. Il y a Nord Kivu, oui, madame, mon amour, qu'à focus pour qu'il mène. Merci de confirmer pour l'invitation. La piste bande de Konaba, qu'on débatte en beauté, équipe technique, les arbres aux abissons en charge. Et puis, bah, le monde a invité à ce qu'on a technicien. Invité sur Mazalaka, on dit qu'il y a un parti politique là-bas. En tout cas, il y a un technicien qui a été en solo. Quand on a commandé la mission, on a balancé la mission. Effectivement, il faut remercier le service là-bas parce que sur le Bango Bazalité. Merci. Après, ça sent la partie politique n'a été. Voilà, Bandeko Balandi. Tout le monde est en train de se faire. Après éruption volcanique, Bandeko Nabiso na tonga lelo sengibo ba ete batali na libongo RVF a commis la difficulté à contenir batunyo so bato kende Goma ya solo parce que menace ezali toujours na Italie éruption volcanique bato bato banga ke ezonga lisusu. Alors tolobela ki déjà manque à mesure encadrement, manque à soutien, manque ya moyen oyo sengala ko pesa na Bandeko Nabiso ya OVG ezali pasi to décrire ki yango pe Bandeko bakata ki Rwanda bomona qui est au Rwanda, na Giseni, en même temps, on va bus pour la zone de Sabango, mais on a une relation diplomatique entre RDC et Rwanda. Les amis, madame, on a déjà discours, il y a un discours, il y a Kagame, lobby, tout le monde qui a un discours, il y a James Kabarebe, où il y a un nié, le génocide, où il y a un nambo cannabis, il y a un passe mingi, qui a un débat, il y a un débat qui a un débat qui a un débat qui a un Goma, il y a plutôt un Bukavu, pour le voir ici, il y a un. Alors, Togo Bandana, Patrick Tchaba, vous allez soutenir Vision Mokonzamboka, le peuple d'abord, Union Sacrée, mais tension Izomata, après éruption volcanique dans le Nord Kivu, état de siège Zali, effectivement, mais Kuna Pemakam, vous avez une dengue Moussousou, vous avez un peu de Goma, la Minito, Batuazo Kima, Bahibiti Bakubata Mawapi, Bazo Kede Bukavu, Bamzo Bango Kota Rwanda, est-ce que le gouvernement est un warrior? Ils ont besoin de penser à cause de la solution. Lobby va décrire qui va propos. Il y a ministre, il y a recherche scientifique ou les cas qui n'a pas été tendu. Il y a un plateau. Lobby va décrire qui a maîtrisé le côté. Est-ce que le gouvernement n'a bino? Il y a le peuple d'abord. Vous avez assisté population au Yobaza dans le danger. La minute aux amis qu'on se rend dans le plateau. Maintenant, de mine de Konanga, la vient. N'a rien à dire. C'est bino boy. Parce que pour moi, les minots, les journalistes, vous êtes censé. Il y a une population qui est en train de se faire. Le chef de l'État a été condamné ici par d'autres médiocres. Il y a un plateau. Il y a un plateau. Il y a un Kagame, c'est un frère. Kagame, pourquoi Fatih avait dit Kagame, c'est un frère. Fatih est un diplomate. Fatih a vu tout ça depuis longtemps. Que Kagame, tu es mon frère. Il n'a pas voulu répondre Kagame, couche le coup comme l'autre cherchait. Il a dit non, c'est un frère. Et il y a un bandi. Kagame, c'est un engenin. À fond les frontières. On ne peut pas dire qu'il n'y a. Mais si Fatih a une guerre avec Kagame, coup sur coup, allez à fond les frontières. Et il n'y a pas de choses trop graves que les cas. Et les gens veulent condamner encore. Moni Fatih, au lieu de jouer la diplomatie, il a fait à répondre coup sur coup. Et aujourd'hui, Kagame a fond les frontières. Ça, c'est sagesse sa Fatih. Deuxième des choses, Bandeko. Et là, quand on se remet à Goma, c'est la première faute. C'est la catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle connue. D'ailleurs, Oyo, nous avons fait un peu de temps avec le peuple parce que, et ça, il y a 2002. Et Boumaka, plusieurs personnes, il y a eu un peu de temps. Puis il y a eu un Kabila, parce que ma belle est diminuée. Ma belle diminuée, Dieu a compris, et bien tout ça, il va couper mouquet. Et puis quand il dit qu'ils augmenteront, non, ça va terminer parce que il y a eu un peu de temps.
Et on a massa cité, et c'est la diplomatie, et c'est la bonne zambé. Dieu est en train d'intervenir. Dieu écoute le, quoi les peuples pour le moment. C'est pour dire, il est vrai, nous partageons. Oui, nous partageons ensemble. Mais Baleko Bazaba victime, un millier de personnes. Non, écoutez. Encadrement, ils allaient. Nous avons vu sur les images, il y a l'encadrement pour votre information. Nous avons vu Fongoli frontière, côté Nababis, Bavandi. Nous avons vu encore ce matin, Namaï, Bamati, Nabanaï, Bazoka. Il y a l'encadrement pour votre information. Donc on ne peut pas dire. Gouvernement pour votre information, oui, c'est le gouvernement. D'ailleurs, qui m'a dit déjà Kuna, le premier ministre a déjà une équipe, déjà Kuna, pour encadrer le peuple congolais. C'est pour vous dire que non, le peuple, il faut comprendre ma camboy. Moi, j'ai ma famille là-bas à Goma, mais quand même, nous avons atteint le Bango, nous avons atteint le Bango, nous avons atteint le Bango. Et aussi, le Mané Moussika a place pour le Bango. Naza connaît la Bango pour le moment, mais il fait quand même très chaud par rapport à Nania. Ouais, mais quand même, Bango va placer à Malamo. Bango va placer à Malamo. Et si Bango place à Mbazali, et ça, les gom ou bimbaté. Bon, oui, bon, oui, bon, et ça va pas gâter parce que non, non, et ça, on a une gom parce que même à l'époque, il y a 2002, et ça, la Magon ou bimbaté, et ça, la Magon ou bimbaté, bah, il fait sa carte à Gomaté. Il y avait plusieurs mots à l'époque, mais cette fois-ci, avec Mesdine Obache pour le moment, il y a le gouvernement Wario. Donc, on est en train de sécuriser les peuples congolais et autres ont partagé dans Bango, dans la basse, mais mingi la prière. Et on appelle un Sengio qui est à Tatango, aux Ovanda, au peuple, on a prié. Parce que d'ailleurs, nous avons passé pour passer Fatia, soit RDC, à Tchang, on a beaucoup à Zambé. C'est pourquoi tu as vu, Dieu est en train d'intervenir dans Makamonyoso. FCC va kei, ba médiocre va kei, et puis nani volcan, et y a qui m'a cassé après la force en Zambé à quitter Siango. Tous sont les phénomènes que Dieu est en train d'agir par rapport à ça. Focus qui le mène à politologue, Bangé, côté la Makamonyoso, les Kanagouma, éruption, manque d'encadrement, manque de suivi. Misolo, connexion, ici les qui, les loyaux, les blocs qui bloquent, la douane, la zone qui est bloquée, la population qui est bloquée, nous sommes au côté de Rwanda, la situation où nous analysons, pour être solo, qui est à côté, est-ce que peut occuper sa mission, confirmer l'information, la population qui est assistée dans le gouvernement congolais. Il y a des bosso, au moni thématique, où les alliés thématiques, il y a politique, il y a militante, où les alliés thématique, il y a des techniciens, c'est-à-dire Batoyo, Bazalina, expertise rationnelle, scientifique, la situation pour expliquer ce que c'est le volcan, comment ça opère, la conséquence dans l'eau. Mais ce qui, tout ça, c'est l'amalgame. Il y a qu'on lié communication politique, n'a fait mon corps naturel, au Ezali, et n'engen de Konanga à Outkotam ou Samakansinaye, au moni a démontré, on a mis le mot à l'obligé, Fatih a communiqué qui avec diplomatie, ce qui a communiqué avec diplomatie, c'est les lots au moni ba congolais, balinga iba kota Rwanda. Donc, il veut nous dire que Fatih savait que catastrophe naturelle oyo, et ça recommence bientôt. Donc il faut nazala na harmonie na Kagame pour aroyamelanga ba tout. Tu vois, un fait naturel, imprévisible. Que Fatih ne peut connaître ni les tenants ni les aboutissants. Mais nous avons vu ce qu'on appelle ce qu'on appelle les moko. Que ce qui Fatih a communiqué qui bongo, c'est pour parce que kimia. Pour la relouka kimia, pour que les lots battent pas qui ne vont pas. Voilà cette démarche politique qui n'a rien à voir avec la science, qui n'a rien à voir avec la réalité. Problème, il y a communication, il y a Fatih. Il est vrai à Isaki, la sagesse, pour ne pas appeler tout diplomatie. Diplomatie signifie quoi? Diplomatie, ils ont un contenu dans Kati. Ce n'est pas à chaque fois qu'on l'utilise diplomatie, même là où on ne parle pas diplomatie. Moutouako utiliser sagesse, pas forcément il faut bien un mot diplomatie. Moutouako utiliser tempérament naïe, pas forcément il faut bien un mot diplomatie. Moutouako utiliser éducation naïe, bah réflexe naïe, instinct naïe. Culture naïe, pas forcément, il faut relier à moi à une certaine diplomatie. Moutou peut acquiser faiblesse naïe devant une situation, il ne faut pas toujours coller ça à la diplomatie. Alors, ceux qui au Tali, pourquoi ceux qui pensent que Fatih n'a pas communiqué assez comme un chef de l'État? Parce qu'il faut faire la différence entre un chef de l'État qui engage un État, une république, et un individu
qui est un homme épris de valeurs rationnelles, il y a ba relation na ye na bateau comme les individus. On a fustigé le comportement de Fatih parce que vous aviez vu l'attitude de Fatih vis-à-vis du génocide de Rwanda. Aussi longtemps que Azoka pouvoir, il est allé s'incliner dans le mémorial du génocide à reconnaître et puis à honorer parce que c'est une marchandise rwandaise qu'il faut respecter. Mais tu vois, il y a beaucoup de mais yé sikoyo, moutou o yazande kona ye, oyo ye a reconnaître ki marchandise na ye a génocide wana, a keipe kon s'incline. En retour, moutou wana sali sabotage, ya marchandise ya Fatih. Oyo yazali pe, valablement, démontrable, communicable, explicable, une réalité. Moninga na ye a saboté yango. Mais on est sur la surface étatique. Il faudrait nécessairement une communication allant dans le sens. Il y a comme ça la réciprocité. Non, de quelle réciprocité il s'agit? Parce que action ya Fatih Aliboso, c'était de reconnaître génocide ya Rwanda à qui qu'on s'incliner. En contrepartie, na retour na réciprocité. Comportement ya Kagame devait aussi accompagner comportement ya Fatih. Mais tango yé a sali le contraire. Moi je ne dis pas qu'il a fallu il faut Fatih a sala exactement le col à Kagame. Mais il a fallu à lever option parce que la communication na yé en cherchant à défendre cette réalité ya ba génocidaire na mboka na biso, Fatih s'est servi non pas na communication politique étatique congolaise. Fatih s'est servi d'un instrument étranger à lobby rapport Yamamping. Ezali, il y a institution, il y a Nations Unies. Ezali qui a confirmé génocide. Bon, ce qui n'est que Nations Unies a confirmé génocide. Bon, biso ba Congolais, to lobby nini. Parce que wana ezali Nations Unies. Biso sikoyo. Mais biso sikoyo, qu'est-ce que nous disons? Rwanda lobby, Ezali te. Nations Unies à lobby Ezali. Biso sikoyo. Par le truchement de notre chef de l'État, nous devons savoir quelle est la position du Congo, quelle est la communication du Congo par rapport à la gestation Wana. Tout ça là qu'a amalgame te. Donc comme le roi on inde zolo la biso. Voilà. Pourquoi pendant que biso tala ba cousine biso oyo to pesa mandat. Oyo bazana ba institution, oyo to pesa bango ba moyen et puis bazana droit wana ko défendre écolo même en termes ya communication parce que la guerre n'est pas tout simplement la guerre ya minduki eza ko beta. La guerre est aussi communicationnelle, toi tu es du 4e pouvoir, oyebi que au niveau ya ba état ba kendaka na approche wana ya polémologie. Pour la nini, pour la commis sa guerre, il y a la psychologie, il y a la sociologie. Alors, de ce fait, chef de l'État a préféré à se taire, a préféré à Luka, canal Moussousou, Oye, Akobongisana Kagame, sans que le Congolais baye. Est-ce que Azali n'a possibilité à redevabilité? Est-ce que Fatih Azali n'a obligation? Mais en parenthèse, on a gouvernement warrior. Tout d'un ministre de la communication, porte-parole au gouvernement. Tout d'un ministre, il y a droits humains. Tout d'un plutôt, il y a affaires étrangères. Par rapport à tout pourquoi ils n'ont pas communiqué? Bah, voilà, pourquoi? Est-ce qu'il faudra Fatih au gouvernement? Non. La même main d'Azalaki. Fatih avait l'obligation de répondre parce que c'est lui qui a parlé en face. C'était son homologue. Ah d'accord. Si c'était une réflexion, une communication adressée par un ministre répondant à Yepe Alingaka Mona Nangambu. Ah d'accord. C'est pourquoi aux hommes la ministre, même ministre n'a besoin de communication. S'il avait à dire, certainement il en a, mais à quoi qu'il soit devant elle. Avant mon consulté, primaire, ils allaient réserver la Fatih pour homologue na yende moutou. Et puis bah, voilà. Donc c'est-à-dire qu'ils ont problème. Voilà. Sur le plan étatique, il faut faire la différence entre l'État et l'individu. Sur le plan individu, Fatih a un comportement, une douceur, une éducation propre à lui. Il faut faire la part des choses quand je suis devant les affaires de l'État, n'abat devant les affaires qui me concernent. Ça, c'est, nous ne le reprochons pas. D'accord. Il est un monsieur très poli, ça j'adore.
le même comportement vis-à-vis de l'opposant, il y a un Kati, il n'a pas de langage trop blessant. Donc c'est. Mais voilà qui est Kamboka. Mais voilà qui est Kamboka. Il génocide. Faut faire, voilà, il faut faire la différence. 12 millions. Et puis, dans la complicité, on a. Mais ça a chance, n'a qu'il n'y a pas de musique. Les Kambo, il y a Rwanda. À part, Oyo Babengi, Laurent Désiré Kabila. Qui a cité nommément. Qui est bah, Rwandais, bah, Ougandais. Bazali na complicité, baza ko menacé République démocratique du Congo pour la balkanisation, pour la exploiter Bissou. Mais moi, nana ye akouta awa, ça a 18 ans. Dans les 18 ans, Raïs était capable de communiquer par rapport à cela une seule fois ici, dans le Congrès, devant le Parlement réuni. Une fois, pendant 18 ans. Oh, atrocité, voilà, et ça koboma, maintenant c'est ça ma casse. Mais semblant na ye, tant que presque Yasuka Yamanda n'aie, n'est une fois à la colombe l'amour. Fatih Akoti, tant que Zaki n'opposant, tant que Zaki opposant, il parlait en termes de génocide. Wana, à Banaï Koloba, que ce sont des Rwandais en complicité avec, avec Raïs Kabange. Mais tant que Komi, il est incapable de nous dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il dit que Nakoloba n'aie, Nakouloir, non, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il est à genoux devant Rwanda pendant ce que ça. Mais c'est. Ou bien, Zali, tant que Koma, il faut reconnaître une chose. Il faut reconnaître une chose. Kagame n'a pas d'épaisseur physique. Il n'a pas d'épaisseur physique vis-à-vis à Raïs. Vis-à-vis à Félix. Mais il faut le reconnaître, il a de l'épaisseur mentale. Il a de l'épaisseur mentale parce que parmi les présidents de la République, Oyo Bazali Grodé, qui sont bien formés, qui ont très bien étudié, il faut compter cet homme-là. Et il connaît les réalités, les faiblesses de tous ces présidents ici. D'accord. Et c'est pourquoi Azana Sanfroid Wana. Voilà. Il a cité même nommément prix Nobel Nabino. A Keti Moussika. A Keti a défié Koutoubi Bembe Nabino. Non, non. Non, ça c'est trop. C'est calmé, Ndeko Foukassi. Moi, je suis José Kani qui pour l'intérêt au Congo, je suis dit le contraire. Ndeko a soulevé parce que Ndeko Patrick Tchaba a lobby que moi, je suis Félix Tshisekedi a joué la diplomatie pour aller à la situation et que vous avez un peu de temps. Mais si vous avez Kagame coup sur coup, peut-être que Kagame a fait la frontière. Ndeko a dit au-delà de ça, président de la République, Azali na facette mibali. En tant qu'individu président, Azali a un comportement na yena nini. Mais likambo mboka, tant que mutu a défié génocide, a défié bato bakufi, a wangani makambo nyonso, qui va tirer au participer, il fallait mon konza mboka répondre. Article la Nations Unies tenait le belabiso, on dirait biso ba baba photo sibi, parce que le belabiso va pas les tickets. Le belabiso là place son point de vue na yo et puis likambo éruption volcanique, est-ce que soutient Azali na ba sinistré na poko lelo. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndeko Flavien. Pour dire vrai, je comprends totalement la passion au Ndeko Foukassi Azana pour le Congo Nabiso. C'est tout à fait normal. Na etawa à l'obéli, au sentir même colère. C'est tout à fait logique et c'est normal. Ezali Kambo et Amboka. Là, il paraît opposition. Mais un homme d'État, ou bien les hommes d'État, va réagir sous la colère, sous la passion qui est normale qu'il a. Qu'il peut avoir pour son pays. Et c'est qu'il y a là-bas paramètres nyonso. Et moi, je pense qu'au-delà de tout, Kagame a lobby l'oka sikate. Discours ya Kagame wana, ça fait 25 ans. Depuis que Mouze Kabila kota na Mbukacha Mboka Oyo, tant que Babani na Mouze Kabila, et toutes ces péripéties, dit l'élo. C'est le même discours, c'est la même rhétorique. Mais plutôt que changer, au moins trois présidents. Il y avait un premier président qui s'appelait Mouzé Kabila, qui avait les discours, il y a pampan, il y a coup sur coup. Et Rosson est-ce que vous dites mais, dis-le 25 ans après, au-delà de ce discours guerrier, n'est-ce pas, qui est aussi normal, 25 ans après, eh bien, Rwandais Mokota Koufa, et Zakaba Congolais ne Bakoufa, 7 millions, 8 millions de Congolais. Na discours Rwanda il y a 25 ans. Joseph Kabilaye, léthargique, Yakoute Ndetia Kiparate, Aobeta Ndekara. Ça n'a pas donné de fruits. Le président de la République a yé. Est-ce qu'il fallait à continuer les sous le même discours? Merci beaucoup parce que Nzambe, la fois passée, n'a pas dit que nous avons eu sagesse à Salomon. Et même de Jésus-Christ. Et Ndeko Foukassi Kouta Lobia, oui, c'est vrai qu'il est sage. Donc il n'a fait que confirmer en fait ma position.
Mais je vais au-delà de ça. Monsieur le Président, pour n'ayez priorité zananou, banambo kabati kakoukoufa. Et monsieur Kagame, yemoutoua yebaka que ce qui a provoqué à Diotika Kaba Congolais, toko paniquer, toko réagir, et puis lui va en profiter, et puis ça va créer encore du désordre. Le président de la République a très bien répondu à Kagame. Oh. Quand il dit. Il a bien répondu. Oh, il est bien. Mais la sagesse, c'est quoi? Mais la lobby boue, la sagesse, c'est quoi? Les archivistes. De Gonanga Yif, la vient. Na oban archive na yote. Na vo défier des archives na yo. Na lobby boye sagesse zanine. Ya koyeba ko réfléchir, ya koyeba ko zo ko sala makambu na limemia. Mokonzi ya mboka lobby boye. Tozana bakano, nazana bakano ya ko répondre Kagame. Oui ou non ba président de la République bazaka na bakano. Bazana yango. Je ne vais pas me répéter ici. Des deux. Kagame a quitté ici, comment on l'appelle, notre cher docteur qui est Mukwege. Mais l'objectif, c'était à quitter, ça y est. Mais le chef de l'État, Amati Sindé, docteur Mukwege, le chef de l'État a encensé même le docteur Mukwege, a encouragé le docteur Mukwege en tout et pour tout. Si on a évité ce qui est le président Tshisekedi, il y a Kosilika, il y a Misisezo Bimisaye, Non. Il a répondu clairement comme à Kagame, comme un homme réfléchi. Qu'en parlant des canaux, en parlant, en encensant même, en rendant hommage à M. Mukwege, il a encouragé pour tout. A l'obéli koutou likamba rapport mapping. Parce que le kamiso bon mabiso est un rapport mapping. Au-delà de mamara msous. Awa, ba l'obéli mingi rapport mapping. Mais le rapport mapping, mon konziambo ka lobi que non, justice et ko salama un jour ou l'autre dans ces pays. C'est ça le message du président de la République. Et à l'obéli même na Kagame, il aurait mieux fait de pouvoir collaborer avec la justice. Le problème, c'est qu'on est des réactionnaires. Et je le comprends. Est-ce que possible, si on comprend bien, Neko Focas, à soulever au-delà, rapport mapping les alliés, Kagame a dit, mais même si tu es à la Kimia, là, il s'agit du Congo qui est attaqué et on a nié même le génocide. Félix ne pouvait pas répondre ou peut qu'on défendre le génocide au Yabiso. À qui n'est pas le moment de s'incliner, mais t'as la bazoum, c'est le retour. Mais pas la bise au Félix, on tient à Baba parce qu'il faut utiliser des canaux. Mais non, lui, oui, Baba, parce qu'il a parlé de ces rapports-là, mapping. Mais génocide. Mais le génocide fait partie de ces rapports mapping. Les rapports mapping, les a bisautés. Voilà. On l'a dit. Bisauté l'obinini. Voilà. Il y a génocide ou pas? Voilà. C'est ça la question. Nous disons. Est-ce que tu as le banini? Nalobi boy. Mais même les rapports au État, les Sarikés, nani ba jijaki que non, génocide, il y a Rwanda, c'est génocide. Mais c'est toujours la communauté internationale. Les Rwandais ont dit, ils se sont prononcés par rapport à cela. Est-ce qu'ils peuvent s'apaiser? Non, mais c'est ça. Mais Nazono Baboye, Nazak clair. Zéla n'a répondre. Exact clair que pour la Bissoba Congolais, il y a génocide. Je venais de parler ici de 7 millions de morts. De 8 millions de morts, on les reconnaît. Mais pourquoi toi tu les dis, les chefs de l'État ne veulent pas les dire? C'est ça la question. Donc, Bino Bolinga qui a l'obake, non? Oui, nous avons connu 7 millions de morts. Voilà, complétez dans le temps. Mais jusque-là, tu n'as rien dit. Il y a un questionnement. N'habitez pas comprendre, Politone, Focas, qui dit que le chef de l'État, même Yemoko, même Tamazou, n'a pas de situation, il y a un génocide. Personne n'a pas de problème. Bon, je vais répondre à Ndeko Nanga Focas parce qu'il mélange les quoi, les torchons et les serviettes. Ndeko, tu sais quand on fait un débat, ce n'est pas quand tu vas crier ou tu vois, il ne peut pas te comprendre. Oh. Apaise-toi, pourquoi il agitait? Président de la République, il est à Kenek, d'abord Aza, président de l'Union africaine. Il n'est pas n'importe qui. Attendez, tu comprends à peu près. Je vais lui répondre, il m'a dit que non, la diplomatie, nous connaissons la sens, et sans sa moana. C'est-à-dire connaissance des traditions qui règlent les rapports mutuels des États, art de concilier leurs intérêts respectifs. C'est ce qu'on appelle la diplomatie que lui doit connaître. C'est-à-dire quand on fait la diplomatie, tu ne peux pas avoir un langage d'agression. Je n'ai pas vu que quelqu'un m'a coupé. Ou Fatia Boué, moi je ne reconnais pas que chez moi il n'y a pas de génocide. Bon, c'est une vidéo où il y a Boué. Attendez.
Kagame pourrait en France. Est-ce qu'il a respecté diplomatie? Kagame est trop agité. Tant qu'on a un balancier installé et quoi état de siège na Goma, à sentir même l'économie naie et comme il a baissé. Pourquoi? Parce que comme à l'époque il y avait des va-et-vient à minerer, ça ne passe plus. Économie n'est qu'au quitta. Et comme la personne est agitée, il commence maintenant à parler n'importe quoi. Et je vais vous dire une chose. Moi, je suis tango abeti mukolo eloko mais mukolo répondait à tes amis. Donc sagesse en fait. Sagesse en wana. Même focus qui est devant. Qui est devant. Attendez. Pona yo, il fallait le banin. Pona na kutu na focus yo. Il fallait fachi à répondre nini. Eh Kagame na kobeta yo, Kagame moni yo. Lui va me répondre sur place. Pour lui, il fallait fachi à répondre quoi? Fachi a eu sagesse. Et puis il a répondu la communication. Voilà. Okay. Ah, écoutez, Fatih a répondu, je ne pouvais pas répondre, président Kagame, mais je sais que la justice est en train de faire son travail. Ça, c'est un. Deuxième des choses, et ce n'était pas la voix, et comme il était ping-pong, l'autre parle, l'autre voilà. Parle. Merci. Ça n'a pas de sens. Ceux qui parlent, ça n'a pas de sens. Focas ici. Il n'est pas un homme d'État. Il a répondu Kagame comme ça. C'est Focas ici. Écoutez, vous trompez qui, M. Focas. Focalisez-vous aussi la rationalité, mon frère. Évitez les débats calibrants. Focalisez-vous avec les idées. Ça nous fera un grand. Il faut répondre. Dans une minute, il y a Félix Tshisekedi. Dans une minute, il y a Paul Kagame. Ben d'abord, permettez-moi de vous le dire, je ne suis pas là pour répliquer à mon homologue. C'est quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations, je saurais comment passer le message autrement. Ensuite, je dirais que le rapport mapping, c'est quelque chose qui a été fait par des experts de l'ONU. C'est pas les Congolais qui l'ont fait, ce ne sont pas les Congolais qui accusent, ce sont des gens objectifs qui ont fait ce rapport. Et ensuite, je dirais aussi que justice doit être faite pour toutes les victimes, toutes qui sont tombées, qui ont été arrachées à la vie au Congo et ailleurs dans la région. Et donc, pour moi, ce serait plutôt une attitude positive que le président Kagame aurait de collaborer à cela. Parce que à ce stade, il n'y a pas encore de condamnation, donc il faut se mettre au service de la justice. Et si ces gens qu'il défend sont innocents, la justice les innocentera. Quant à nous, à moi particulièrement, je tiens à ce que la paix et la sécurité reviennent dans mon pays, parce que je veux tourner cette page sombre de l'histoire de l'Afrique, ce qui est une honte de vivre en se regardant en chien de faïence avec ses voisins. Je veux la paix pour mon peuple, mais pour les peuples voisins aussi, que nos pays se tournent vers leur développement plutôt que de se faire inutilement la guerre. Demain, lorsque cette paix sera une réalité, nous allons ouvrir ces pages aussi sombres avec la justice congolaise et voir dans quelle mesure nous pourrons régler les méfaits du passé par une justice transitionnelle ou par une justice pénale, enfin, peu importe. L'essentiel est de sortir de ce cycle infernal et d'aller sur le développement et les bonnes relations entre nos pays. Donc Paul Kagame est un partenaire fiable à vos yeux? Ah oui, absolument, et nécessaire. On ne devrait pas me poser des questions tout le temps sur le Congo. Je ne sais pas et je m'en fiche. Paul Kagame est un partenaire fiable à vos yeux? Ah oui, absolument, et nécessaire. On ne devrait pas me poser des questions tout le temps sur le Congo. Je ne sais pas, et je m'en fiche. Bandeko Balandingate, Papa Sentinelle de la République, gardien du temple. Papa Sentinelle a battu la République, on a le bagaille à l'Opango. Donc, n'a pas na kolo l'Opango, n'a papa kolo l'Opango. La première chose, je dois aller rapidement pour informer à mon frère que moi, tu ne me trouveras jamais dans les caniveaux faire le débat. Il faut tout ça, là, il y a un débat à rationalité, technique et scientifique. Mais pourquoi on parle, toi tu parles?
Ce s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pourquoi tu n'as pas l'écran de parler? Tu appelles ça un vrai débat? S'il vous plaît. Quand toi tu parles, nous ne parlons pas, on te regarde. Nazo le cadré, quand il parle, nous on ne dit pas. Yaba Nikoloba, il commence à répondre. Finalement, vous êtes à deux, vous êtes à la position. Quand la poser. Seigneur Nazo, il faut avant d'Akimé, il faut aller au lobby avant d'Akimé. Pourquoi lui quand il parle, il va poser. Patrick, il va poser. Batoubalandi. C'est par rapport à ce que vous plaît, s'il vous plaît. Émission de la salle à Batoubalandabiso. Je vous dis, Batoubala, la diaspora est belle. Dans le Congo, n'en parlons pas. Fatia Landak émission. Banda Koutoukala, depuis des personnes, il y a des émissions dans Landak. Batoubala, la mine est belle. Ils ont ma canisse. Foucault sur le Maroba. Yali Bosso, ce que l'on dit communication à Fatia, il n'avait pas envie de répondre Kagame, n'est-ce pas? Mais pour la question de Mukwege, le prix Nobel. Il a répondu. Vrai ou faux? Pendant les questions, pourquoi il a répondu? Mais pourquoi il a répondu? Parce que l'intention, ce n'était pas de répondre à Kagame coup sur coup. Mais pourquoi coup sur coup? Il a répondu pour la question de. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi deux poids, deux mesures? Pourquoi choisir des thématiques? Ponani. C'est la même personne. C'est le même président, c'est le même péton, c'est le même Fati. Et quand Kagame. Et c'est le même Kagame. Je m'en fous. Écoute. Ça, c'est du n'importe quoi. Le même Fati, opposant, il cite Kagame, il cite les Rwanda. Président de la République, il n'ose pas. C'est quoi ça? Et je ne les cite pas seul. Kagame aussi, Graïs aussi a fait 18 ans, sans citer Kagame. Na moment na ye asuka, une fois seulement, na ye koloba makambo Rwanda, agressant le Congo. C'est cette façon-là de communiquer de nos chefs d'État. Je n'ai rien à voir avec la personne ou l'individu de Fati, avec son attitude, avec son comportement. Na douceur na ye, j'aime ça comme un monsieur. Mais pour un chef de l'État, à la hauteur du défi, oh Kagame a tombolaki, sur le plan communicationnel, il parle de la diplomatie. Il y a des canaux diplomatiques. Mais dans les canaux diplomatiques, il y a aussi l'aspect communicationnel. Nenge Kagame a l'obiwana, et ça dit canal P. Diplomatique, il y a communication. Les médias. Il y a soulevé le Robongo. Félix n'est seulement pas président de la République du Congo, mais il y a l'Union africaine. Na titre rwandais, à quoi la réserve Réserve Nini. Il n'est pas président de l'Union africaine sans être président de la République démocratique du Congo. Jamais à Kokiko Tchaba intérêt à la République démocratique du Congo en difficulté pour l'Union africaine. D'accord. Ça, c'est une fausse démarche. Fati. Parce que Bango Pesa Bango Pesa Bango Motuna. Pourquoi il a répondu coup sur coup? Na question Kwenge, na kambo ya génocide, a boy kolobelango, a répondu coup sur coup. Pourquoi a renvoyé Bango na rapport Mapim? Na question na ngezali. Rapport Mapim, yé moko chef de la terre à l'obiboué. Ce n'est pas les Congolais qui acquisent. C'est la communauté internationale, notamment rapport Mapim ngezali ya Nations Unies. Mais ngai problème na ngezali. Fati n'a pas la capacité de nous dire, lui, en dehors il y a rapport mapping, parce qu'il a l'information, parce qu'il a des services d'intelligence, parce qu'il a tout l'armée avec lui, et tous les services, tous les moyens. Il ne peut pas nous dire d'où vient le mal à l'Est. Qui est l'auteur? À quoi l'on a mis son côté? C'est un secret. S'il pense que ce n'est pas Kagame, s'il pense que ce n'est pas le Rwanda, mais... Tellement à l'aise à correspondre à Nekonanga Focas que je n'ai pas besoin de paniquer. Mais à poser ma question, pourquoi à répondre, Boye, toi répondre dans le temps sens mon sens. Mais quand vous posez la question, on va répondre, Nekonanga Kuna Lobby, pourquoi Zolo? Est-ce que mais pourquoi tu me poses des questions? Est-ce que je lui ai posé des questions? Lobby Boye, je suis tellement à l'aise. J'ai dit ceci plusieurs fois, pas dans ce discours-là, plusieurs fois Fati, à l'obi que, à l'oba que, problème na biso na est, et ça na trois niveaux. Il y a le niveau international, multinational,
bah entreprise oh bazo luka bah bénéficier na ba intérêt na biso na ba richesse na biso na ba cano ou na ba cano ya malamu te na niveau international plusieurs fois pe à lobby que bah problème est aussi qu'on est dans un niveau sous-régional. Sous-régional ça veut dire quoi? Avec des pays voisins. D'ailleurs il en a cité. Lui parle qu'on bah quel roi n'a. J'ai l'air à répondre à yo. Claire. J'ai l'air à répondre à yo. Tu poses une question. Tiens na progressé. Na lobby boy. Les ADF ce sont des Rwandais. Les ADF ce sont des Ougandais. Donc les affaires de l'Est ce n'est pas que Kagame. Mais avant le mais na lobby mais na lobby on a plusieurs fois. Ah ça lobby. C'est ça votre problème. Est-ce qu'il y a un lobby qui a utilisé le sous-sous? Il y a un lobby qui a plusieurs fois. Il y a une chaîne internationale ou même nationale. Que le problème est un international, un sous-régional et puis un national. Tant que tu as reproché certains militaires, certains politiciens, et ça peut au niveau national. Donc c'est une affaire globale. Nous devons traiter cette affaire de l'Est du pays, de notre pays, d'une manière globale. Chacun, quand il y a un circuit, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire on n'a pas besoin de dire à Kagame, Kagame, tu es fou, tu es imbécile. Non, on a besoin... Je termine ici. Oui. On a besoin oui. d'une bonne diplomatie, oui. d'une bonne armée, oui. d'une bonne stratégie politique pour alors, récupérer tout ça. Tout par rapport à l'éruption volcanique, parce que tout ça n'a pas sujet, on a une éruption à Kagame, mais c'est le plan diplomatique. Pour pas que nous sommes loin d'un débat, non, non. Nous avons la diplomatie entre les Rwandais, parce que nous avons la Katia qui est en Rwanda. Après, on a battu sur le matin. Voilà. Alors, voilà. Mais si on a une question, mon roboé, on a commis à Wasukoyo. Est-ce que ce qui Kagame, Félix a répondu à qui est, pourtant c'est que nos génocides dans Bissau, Bango, Bazali, la Katia de Kamwana, on a gagné sur la frontière. Mais sur le plan humanitaire, Aïnaga doit sanctionner. Non, je vais rester là. Est-ce que vous ne pouvez pas aller à Rabat et au Kanga frontière? Non. Sur le plan international, nous, quand même. Vous posez la question, vous deux, ou bien c'est vous qui posez la question? Alors que ça pèse. Non, non, calme-toi. Voilà. Voilà, réponds. Je réponds ceci. Je reste rationnel et je garde mon bon sens. Ce n'est pas que ceux qui. Le président répondait qu'il y a un modèle où il faut qu'il s'aligne à répondre à Anna, Kagame à l'ingakiko, Kanga frontière. Pas nécessairement. Mais seulement. Avec ce genre de comportement et à Pesaka, ça pèse les tensions et le climat. Mais comment ça va au Sibir? Mais c'est pas possible. Au complété, on a mangé sur au niveau. Ouais ouais, non non, au Isa manga mususu. Ah, on a mangé. Vas-y la vise. Nana de la archiviste. Ah d'accord. Ouais, Nazar archiviste, ce qu'on a ligne à répondre parce que tu vois que mon frère Focas, il a eu des difficultés à me répondre que pour lui, il fallait pas ça répondre nini. C'était ça ma question. Na répondre à moi. Opposer question. Si on opposer question, on a répondu. Mais ministre ngesi la nano, ministre ngesi la. On va répondre tant aux ministres. Ah voilà. Tu kangai na. On analyse na yo. Pour lui, il fallait Fatia répondre à Nini, ça c'est un. Deuxième des choses, il a posé cette question plusieurs fois. Pourquoi Fatia a répondu à faire Mukwege, mais il y a génocide avec un nom justice. Papa, son rationnel. Affaire et génocide, rapport ma pingue, ça va expert à la Nations Unies. C'est ça, le monde à Libanda. Ça, il va remarquer qu'il y a un massacre, un génocide, un RDC, ou Kagame est parmi Batouana. Et j'écoutais. Fachi, c'est un homme de droit. Bino, vous comprenez Fachi tard. Vous comprenez Fachi tard. Quand vous comprenez tard, vous comprenez tard. Fachi avait dit un jour que nous avons gagné un cabot au Cabon arrêté, dans Brazzaville. Bino, on est sous Mouni. Tout ça, tout ça. Mais les locaux, ils sont soutenus. Les locaux, ils sont soutenus. Et Cabonat. Mais Cabonat, c'est bétamité, ni bétamité, sans bruit, sans quoi. Kamere et Kagame là. Il ne mourra pas président de la République à vie non plus. Juste international, et Kolande la Kagame, ne Kangaye. Et Fachi travaille, c'est ça, c'est le plan diplomatique. Tant qu'on répond, que non, justice, et Kosala Moussa Nango. Parce que jamais Fachi a commandé à Bitumana Kagame. Mais, guerre mondiale, c'est bandé la RDC, le moto Bundela Sénabangou Massa, c'est Nengi Bolingi.
armée congolaise, allez, tout le temps, tout le temps, et guerre mondiale, vous dites. Et vous avez besoin de la diplomatie, de rapport ici avec Kagame, Aza Prima Tuana, et il sera aux arrêts, il sera jugé comme le Bosotanganda, comme les autres, dans la Cour de l'Ottawa internationale. Je vais répondre par rapport à Mokamouane Mukwege. Pourquoi il répondit pour Mukwege? Mais Mukwege, ça a fait un rapport international, Mukwege, ce rapport est ma pingue, Mukwege répond par rapport à Mukwege, parce que Mukwege est ici, Mukwege est vivant, nous sommes avec lui ici. Et ça, il y a un rapport international. C'est pourquoi il a répondu à Mukwege, par rapport à Mukwege. Donc, concernant le génocide, il y a un rapport international, il y a un rapport international, il y a un rapport déjà. Baloba yango ta Baloba yango perdu la facite Baloba yango ta facite et je vous assure que Fachi a répondu encore. Il a dit encore comment mon problème à moi c'est créer d'abord la paix dans mon pays et les pays voisins. Souci de yangoana parce que même si nous pleurons aujourd'hui, moi aujourd'hui on écoutait et les gens sont voilà, n'est-ce pas? Et qui ne connaît pas tout ça. C'est pour dire qu'il faut faire la part des choses. On va prendre une minute pour aussi ça. Mais avant, n'ayez pas mes sons, pas n'engagez vos archives du jour. Il y a ma politique à Kala. Bande de gens, tu commentes quand tu mets tout au cas. Tout le monde a mis archives du jour. Il y a les lots. Autre bon bélibino. Tu commentes en haut, tu es à radoter. Pour archives du jour, ma belle éca, tu es au cas. Pour te tirer les sons, il y a mis sur politique à l'élo. Abund. Ayaka na mounyere toboka na chemise à carré carré l'air a outa koza la pêcheur na kami. Mais kabundu lokola ya komo mon abiso ba yumanae. Ate hydroquinon. A komi pembe kole kayo. Kabundu lokola komo. Alongo la poltri mba longo la nga. Pourquoi zoban? Azwa décision qui à partir d'aujourd'hui vit ceci. Na longo li fi. Les mêmes jours à sa déclaration, les mêmes jours pe na ko soto proclamer président. Voilà les archives du jour. Gâté. Voilà, répondre rapidement. Une minute. À lobby, rapport Mamping et les Nations Unies, chef de l'État, a coquille que commentait Ndenga Loba qui bongo Zabon. Azo Bosanake, prix Nobel, et ça Fatim Tapé, ça a été. Et ça ba congolais te ba pe sa prix Nobel. Et ali communauté internationale mou te pe sa Mukwege prix Nobel. Pourquoi renvoyer qui était na ba instance wana o pe sa la prix Nobel pour akende gozo réponse kuna. Pourquoi il devait défendre? Parce que prix Nobel est une question ba congolais te. Tout à fait. De la même manière, rapport Mamping. Et ça y a biso ba congolais te. J'assume. Mais biso ba congolais ba konzina biso ba lobi nini. Ago tout nangai, ndenge nini fati a fala ki a répondre. Que soit opposé nga yangwana. Il faut que yoka dégagement ya Kagame. Kagame lobi je m'en fous. Et puis il n'a pas le temps de répondre parce que c'est une fausseté makamwana génocide. La question, la réponse à donner à cette question, c'est d'affirmer haut et fort que certainement il y a eu génocide au Congo. Et génocide au Congo. Parce que au Azoué Langa discours, il y a région. Dans la région, nous n'avons pas que Rwanda, na Ouganda. Dans la région, on a beaucoup d'États. Pourquoi généraliser? Pendant que la question elle est claire, les rapports sont là, les enquêtes sont là, les services de sécurité sont là, les services d'intelligence sont là. On ne dit pas clairement pourquoi nous devons être dans le superflu, dans la généralité. On dirait que Tozo Banga Batu Moroboy, pour nous renommer Bango, pour nous citer Bango. Pourquoi cette attitude? Nanazo me pose la question. Pourquoi cette attitude? Voilà. Est-ce que quand Kagame lui prend le courage de dire que je m'en fous, il n'y a pas génocide au Congo? Non, James Kabarebe, ton accent au lobby, a où tu peux réagir devant Média na Bango? On a colobazu le camba génocide on a lobby bon l'accès ta corps mon côté attends James Kabarebe allez qui lobby le tout l'accès qui sont en haut les alliés mais pas la faute attends qui réagit après son président dégagement mais on est vos caméras dégagement et communication chef de l'État calme toi calme s'il vous plaît chef de l'État n'abîme pas lobby boy merci ce n'est pas les Congolais qui acquisent et communication chef de l'État ce n'est pas les Congolais qui acquisent. Or, je ne suis à Rwanda, Rwanda, de quoi il s'agit? Ce sont les Rwandais d'abord qui ont commencé à vendre leur génocide avant et comme affaire internationale. Voilà. Mais qui sont les loyaux? Chef de l'État, Abisson Lobinini,
Ce ne sont pas les Congolais qui ont dit. Non, ils ont dit. Ils ont dit. La communauté internationale, ils la réforme. Est-ce que cette attitude est. Ils ont dit. Quelque part, ils ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le chef de l'État qui a dit. Façon qui s'accompagne. Vous savez. Alors, bien, moi, clairement, que ce ne sont pas les Congolais qui ont dit. Pour terminer. Vous savez, je n'ai jamais vu mon frère Foucault se déstabiliser comme ça. Mais je suis déstabilisé en quoi? Vous n'avez pas des arguments pour aller. Il le Congo. Vous n'avez aucun argument pour me déstabiliser. Voilà. Je vous donne des faits. Voilà. Mais il s'appelle Nalobi Boye. Le génocide rwandais, c'est une affaire rien que de rwandais. Bangona bangonde kuna babomana. Mais le génocide au Yabiso, c'est une affaire des États. Donc, ils ont déjà différent le traitement nango, pour le traitement nango. N'attendez plus loin. Tangou, le chef de l'État, a censé Mukwege. Mais c'est tout simplement, ça n'a pas question de prix Nobel. C'est question d'un Congolais qui s'occupe de ses frères et sœurs congolais. Non, le problème c'était par rapport au prix Nobel. Est-ce que le lot, M. Foucault, c'est Azali Banda. Oh. Il perd même son contrôle. Nalobi Boye. Tout ce que. S'il vous plaît, tu n'es pas éduqué pour avoir ma sagesse. Tu peux te calmer, Foucault, s'il te plaît. Oui. S'il te plaît, Patrick Chaban. Manque de sagesse. Non, c'est parce que tu es impoli, tout simplement. Manque de sagesse. Loba. J'avais dit que mon père était pour manquer de sagesse. Tu es tout simplement impoli, c'est ce qu'il faut remarquer. Manque de sagesse. Tu n'as pas des arguments. Je vous brandis des arguments. Voilà, c'est la télévision. Tu es agité, pourquoi? Donc, avant de passer à la télévision. Tu es même impoli. Kabouane, la sagesse. Et l'ongona, ma partenaire, là, tu es pour la Roussouma Bino, Bino Moko était dans la acteur social Bandakala. Na fonds national y a lutte contre COVID-19, tous les tambo la partenariat pour nous sensibiliser pour nous la population. Na c'est content que Bandeko Balandi Tolobi été enseigné le Kosunga ba congolais na au Italie alphabétisation koé ko l'anglais koé ko la ndenge ni ya kotanga Bandeko pe tous les Kosunga na auto école Bandeko tous les Kosunga ba oyo ba ngiba ko la bureautique infographie aux à la homme d'affaires aux étudiants au Kikoya, na partenariat au Nassali pour être bah congolais ils sont. Nati accent na bandeko ya Changu, oyo bazali na Masina parce que kuna pe bureau ezali. Nati accent na bandeko na biso ya Funa na Victoire bureau ezali. Na bosali te fief na ngamoko Kitambo sika bana na Kitambo bazomi bana Kanduka, bana Ngalie ma bana ya Lingwala, bana Barumbu, bana Komina Kinshasa, bana Gombe, kuna toteli bino centre. Na 24 novembre, peut-être que j'ai centre, na UPEN, na cadre, il y a Kosunga population. C'est compté les centres de formation en communication et nouvelles technologies au Congo. Peut-être que la formation est semi-gratuite à moindre coût. Ma Mission TV, le miroir du monde.